We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Coucou tout le monde, c'est Créabilou. J'espère que vous allez bien. Donc moi j'ai toujours la crève, hein. J'ai du mal un peu à m'y remettre. Et donc on se retrouve aujourd'hui donc pour l'enveloppe numéro 10 du calendrier de l'Avent, sa cape en scrap. On voit un petit point de surbrillance. Allez, on ouvre. Alors. Voyons voir ce qui s'est passé là-dedans. Alors, nous avons. Hop. Alors, on a. Oh, on a une découpe. On a une découpe, je sais pas si c'est du bois, j'ai pas l'impression que ce soit du bois. On a une découpe, alors je vais le mettre sur. C'est super. On a une découpe, il y a marqué hivernal. Oui. Hop, fine aussi. C'est pas du bois, enfin je sais pas si c'est du bois, c'est couleur noire. Non, je sais pas en quoi c'est fait, mais c'est très joli, très original du coup. Donc il y a marqué hivernal. Donc une petite découpe bois, j'ai envie de dire bois noir. Et on a. Alors, je vais vous laisser voir, selon vous, qu'est-ce que c'est. Ça ressemblerait pas à une licorne par hasard? Voilà, je fais la découpe et puis comme ça on la voit un peu mieux et je reviens de suite. A tout de suite. Me revoilà. Alors j'ai fait la découpe. Voilà. Hop, je vous la montre. Quoi dire? Alors bon, on voit bien la corne, on voit bien les oreilles, on voit les yeux fermés. Je suppose que là c'est une espèce de frange devant. Bon, moi je suis pas une très fan des licornes, donc là pour le coup, ouais. Celui-là pour le coup, Dice, bof. Mais bon, en même temps, je suis pas une fan des licornes, donc c'est vrai que. Voilà. On en a trop vu, je trouve, les licornes. Mais bon, en tous les cas, au moins je l'aurai. Donc voilà pour cette vidéo de l'enveloppe numéro 10. Donc on se retrouve demain pour l'enveloppe numéro 11. Je vous fais des bisous, passez une bonne journée et puis à demain. Bye bye. A Merry Christmas. We wish you a